Annoncé pour le 27 avril 2017, le procès de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et de plusieurs ministres de son dernier gouvernement suscite déjà la polémique. Son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a publié un communiqué mercredi 19 avril pour dénoncer un règlement de compte politique. Ils sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'est une violation manifeste de l'état de droit, au triple plan de leur recevabilité, de la nature des faits reprochés aux personnes inculpées et de l'instrumentalisation de nos institutions à des fins de règlement de comptes politiques. Les membres du gouvernement du Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, y compris l'ancien président Blaise Compaoré, qui était aussi ministre de la Défense, sont poursuivis pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Je rappelle qu'il y a une commission qui a été mise en place sur les événements du 30 et 31 octobre, qui a rendu un rapport, et le rapport indique certaines personnes. Donc, l'idée de justice, y compris du point de vue des familles, c'est de savoir la vérité sur ce qui s'est passé, et non pas de faire des condamnations qui pourraient contenter tel ou tel bord politique. La justice burkinabé reproche à Blaise Compaoré et ses anciens collaborateurs leur participation au Conseil des ministres extraordinaire du 29 octobre 2014, faisant appel à l'armée pour maintenir l'ordre avec usage d'armes contre les manifestants de la révolution. Parmi les 34 membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, deux anciens ministres ont bénéficié d'un non-lieu et les autres ministres ont été inculpés mais bénéficient d'une liberté provisoire avec interdiction de quitter le pays. Ils risquent la peine de mort s'ils sont reconnus coupables.